Et salut à tous les pilotes, j'espère que vous allez bien, pour ma part ça va super. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo, on est à Pernes-les-Fontaines. Voilà, franchement un magnifique site. Aujourd'hui il fait beau, beau soleil. Il va faire chaud, même les manches risquent d'être compliquées avec la chaleur, mais ça va être pas trop mal. La piste est bien arrosée, bien hercée. Dommage qu'après une réception de saut, ils ont tendance à tarder avant d'hercer, donc il y a pas mal de béton avant de rentrer dans le RC, mais bon, c'est comme ça. On va voir ce que ça va donner dès les essais libres. Et moi, on perd pas plus de temps, on se retrouve directement pour les chronos. Elle est allumée. La platine. Elle est pas allumée. Faites confiance aux youtubeurs. Ouais, du coup là on se retrouve pour Pernes-les-Fontaines. Allez tous sur Insta, Kevin.ch. Non, Théo Contini 11, c'est le meilleur pilote au monde. Paolo Maschio. Il a 12 ans. Je suis métis en plus. Après, non, il est juste noir. Mais pas métis. Ah, mais tu sais que là tu fumes. Non, là. Ouais, tu lèves la tête un peu. Voilà. Si je peux avoir mon moment de flex, la semaine dernière j'étais à Madrid à l'Europe. Ah, il a fait le tir. Je suis passé à Pernes-les-Fontaines. C'est pas pareil. Comme à chaque passage dans le groupe vidéo, je viens pour dire que c'est de la merde. Comme à chaque fois. Ça, c'est Romain Serrano, un mec au chômage qui gagne un peu d'écho. Je fais pas la pole, je fais un PV. Bisous. Vas-y, fais-le-toi.
Et voilà, on rentre de la séance chrono. Pour une fois, ça y est, enfin une bonne séance chrono. J'ai réussi à enchaîner pas mal de bons points, donc c'est cool. Le temps, on peut encore un peu le descendre. Mon dernier, j'égale un dixième près mon temps. Et je fais plusieurs erreurs, je perds du temps. Ouais, il me fait chier, lui. Pour ça, je rigole. Du coup, ouais, je pense qu'on peut encore un peu améliorer. Je suis troisième au scratch, donc c'est vraiment pas mal, hein. Franchement, c'est difficile de faire mieux. J'ai une petite pensée quand même pour William Doe qui était juste devant moi. On l'a vu à la GoPro qui a lourdement chuté quand même. Donc j'espère qu'il n'y a rien de grave, rien de cassé, parce que franchement, il roulait bien. Donc c'est dommage, c'est vraiment dommage. Sinon, moi, ouais, du coup, troisième temps, le départ va être très important comme d'habitude, parce que la piste était assez mono trajectoire ce matin. Mais là, ils refont tout, ils arrosent. Donc ça, c'est vraiment cool. Là, c'est bien bien arrosé. Donc force aux premiers qui sont les open loisirs. Voilà, force à vous, clairement. Vous avez bien déblayé pour nous, merci beaucoup. Et écoutez, bah tout va bien et on se retrouve pour la première manche. Tu verras cette petite vidéo, je te fais des gros bisous. T'as fait je sais pas combien. Enfin voilà quoi. Ça va stop comme mon frère. Ah mon petit Axel, bah tu verras cette petite vidéo, t'as vu, tu t'es un peu plus ridiculisé en plus des adrets, voilà, c'est cadeau. Nous on va partir pour la manche. Ce matin la piste était très bizarre, surtout aux essais libres. Il y avait des alternances de plaques qui glissaient énormément. J'ai pas mal de pilotes avaient la sensation d'avoir crevé, enfin c'était vraiment bizarre. Au chrono par contre ça a séché, ça a fait de belles traces, ça faisait moins des angles droits dans les ornières, ça commençait à être vraiment bien. Un peu plus défoncé que l'année dernière la piste, donc ça c'est cool, mais un peu monotrace ce matin. Donc là on va voir ce qu'ils ont refait, ce qu'ils ont arrosé, si ça ouvre un peu plus de traces. Ça va peut-être être compliqué, on sait pas, on va voir. Là il fait super chaud, franchement là les premières chaleurs, il commence à faire chaud. Habillé, voilà, je suis comme ça, hein, je suis en civil, normal. Je suis déjà en train de cramer en fait, très clairement. Donc écoutez, ça on verra bien, c'est comme ça, ça va être au mental. Et ben, moi je vous dis, il n'y a plus qu'à tourner la poignée et on se retrouve après la première manche. Eh ben, du coup, contrairement à Kevin, Antonin, il est sur la piste là, maintenant là. Ooh.
Et voilà, on rentre dans la première manche. Un départ pas trop mal dans cette manche. Je me suis retrouvé 5-6. J'ai mis un peu de temps à passer un pilote. Après, je me suis retrouvé 5e en bataille longtemps pour la 3e place. Et sur la 4-5 derniers tours, j'ai commencé à avoir très très mal au bras. J'avais beaucoup de mal à tenir ma moto. C'était vraiment très dur. Du coup, j'ai dû baisser de rythme et je perds un peu le contact. Même si à un moment, je suis un peu revenu sans forcément changer de rythme. Donc, franchement, dommage parce qu'on n'est pas loin de la 3e place et il y avait largement moyen. Donc, il va falloir en deuxième manche essayer de faire encore un meilleur départ pour essayer d'être directement 2, 3, pourquoi pas 1. Et après, cravacher jusqu'au bout et bien être détendu. Bon, journée très compliquée, c'était très compliqué. Là, tu vas avoir une grosse tête d'une, là. Ah ouais? Ah ben, tu vas lâcher la semaine prochaine. Journée très compliqué, piste de merde, ligue de merde, voilà, tout de merde en fait. Bonjour, avec la mission sur le port Antonin. Voilà, la mise au beau aussi. Là, j'arrête là, c'est absolument tout.
Et voilà, fin de deuxième manche, fin de journée. Une belle deuxième manche dans l'ensemble. Un départ pas trop mal, mais au bout ça a été assez chaud. Du coup, j'ai perdu pas mal de temps. Dans un virage, j'ai dû changer de trace. Je me suis fait un peu couiller. Bon, on m'appelle. Et ouais, du coup, je pars assez loin. Je dois être peut-être 8 ou 9. Et j'arrive à bien remonter. Je remonte 4ème. Et j'ai pas pu aller chercher mieux. 4ème en deuxième manche, ce qui est pas mal avec de bons temps autour. Et à la journée, ça me met 4ème à la journée 1 MX1 et au classement jour à égalité de points avec le 3ème et le 5ème. Donc c'était vraiment très chaud. Mais voilà, la première manche avec le petit mal de bras. Coûte un peu cher quoi, mais bon, c'est comme ça. Écoutez, j'espère que la vidéo vous a plu. Je remercie toutes les personnes qui me suivent comme d'habitude. Je vous remercie, j'espère que la vidéo vous a plu. Moins de blabla mais plus de roulage. Et moi je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Allez, ciao.